journée. Comment vous en êtes-vous tiré avec Madame Durand-Bénéchol? Je prétextais un cas d'urgence qui vous appelait à l'extérieur. Quant aux autres rendez-vous, je me suis arrangée pour les reporter dans les jours à venir. Tout est noté. J'ai vu ça. Vous avez été très efficace, Mademoiselle Vigneault, comme toujours. Il s'agissait seulement de faire face à la situation. Vous n'avez plus besoin de moi, docteur? Non, non, vous pouvez vous en aller. Alors, à demain, docteur. Mademoiselle Vigneault, j'aurais volontiers bavardé un moment avec vous. Bavarder? Oui, il me semble qu'il existe entre nous un courant de sympathie et de confiance qui devrait nous permettre à l'occasion d'aborder d'autres sujets que ceux de notre profession. Est-ce que je me trompe? Quant à moi, docteur, vous m'y voyez toute disposée. Si j'admire en vous le praticien, je n'en estime pas moins l'homme. Mais on risque de devenir si facilement une secrétaire abusive. Mais pas vous, mademoiselle Vigneault. Oh, je fais tout pour me retenir, en tout cas. J'apprécie. Vous, vous connaissez ma vie, mais de A jusqu'à Z. En sautant quelques lettres. En revanche, moi, j'ignore absolument tout de vous. Mais qui êtes-vous, mademoiselle Vigneault? Puisque vous insistez, je vais essayer de satisfaire votre curiosité. Eh bien, voyons, par quoi commencer? J'habite un appartement de 3 pièces, à la porte Champéret. Oui, ça, je le sais. Je le partage avec maman et une vieille chienne coquère. Le dimanche, je les emmène l'une et l'autre respirer un peu d'air pur. Comme vous le savez aussi, j'ai mes 2 chevaux qui me donnent de grandes satisfactions. Ah oui, j'adore tenir le volant. Cela me procure un sentiment de liberté, d'indépendance, d'aventure. Une fois par semaine, je joue au bridge avec un petit groupe très sympathique, dont ma sœur. Ah, je lis aussi beaucoup. Des livres de voyage, surtout, et sur les bêtes. Oh, je n'aime guère les romans, comme tout ce qui est romancé d'ailleurs. Toutes ces choses qui ne vous arrivent jamais dans la vie, cela me tape sur les nerfs. Oui, bien sûr. Et puis quand viennent les vacances, alors c'est la grande évasion. Alors là, je m'oublie complètement, je deviens une autre. Mais vraiment, mademoiselle Vigneault? Oh, je ne me coiffe plus, je ne me maquille plus, je porte de vieux blue jeans et des espadrilles, souvent pieds nus même, et je circule. L'Espagne, l'Italie, la Yougoslavie... Et je me souviens que vous m'aviez envoyé une très jolie carte postale de Grenade. Ah non, de Zagreb. Nous étions en route pour la Grèce, car l'été dernier, nous avons poussé jusqu'à la Grèce. Mais ce n'est pas la porte à côté. Oh, surtout en 2 chevaux, car j'ai fait tout cela en 2 chevaux, et avec maman et Frida. Frida, votre sœur. Mais non, la vieille chienne coquette. Oh, docteur, ce fut un beau voyage. Corfou... Mykonos. Et vous voyagez toujours seule avec madame, votre mère? J'en suis ravie. C'est une vieille dame très gaie, très spirituelle et infatigable. Il faudra que vous veniez un soir à la maison, docteur. Je lui parle tant de vous. Mais certainement avec plaisir, un de ces soirs. Mais je ne voudrais pas me montrer trop indiscret. Votre vie sentimentale, mademoiselle Vigneault. Même sentimentale? Zéro, docteur. Il n'y a pas d'homme dans ma vie en ce moment, docteur. Vous dites en ce moment. Dois-je comprendre que... Qu'il y en a eu? Oh, oh, docteur, tout de même. Sans être la du Barry, j'ai aussi ma petite expérience des hommes. Une fois, j'ai même été assez amoureuse, mais il était marié. Ah, lui aussi. Comment ça? Non, non, rien, rien. Je pensais à un cas semblable. Marié et père de famille. Et évidemment, ce sont des situations bien difficiles. Alors, au bout de 3 ans, j'ai renvoyé à sa femme et à ses gosses. C'est toujours comme ça que ça se termine, n'est-ce pas? Non, non, pas toujours. J'ai essayé de l'oublier avec un ingénieur à Grenoble. Un garçon cultivé, musicien. Mais fait pour vous, quoi. C'est ce que je me disais. Manque de peau, il était marié lui aussi. Alors là, j'ai déclaré forfait. Enfin, jusqu'à nouvel ordre. Une petite cure de désintoxication. C'est cela. Et voilà, docteur, voilà la vie palpitante de mademoiselle Vigneault. Mais vous m'avez fait beaucoup parler, docteur. Je vais être en retard pour le dîner. Mademoiselle Vigneault, je suis très heureux de cette petite conversation. Oui, oui, vraiment. Mais vous êtes quelqu'un de très rare, humainement parlant. Oh, docteur. Et avec tant de sensibilité, de générosité,
Il me semble que vous pouvez comprendre, mais beaucoup de choses. Je ne pense pas avoir l'esprit étroit. En tout cas, si j'étais dans l'embarras, mais je n'hésiterais pas une seconde à me confier à vous. Vraiment, mademoiselle Vigneault. Mais vous pouvez me rendre un grand service. Vous savez bien que je vous suis toute dévouée. Accepteriez-vous d'être ma femme, mademoiselle Vigneault? Moi, docteur. Oui, enfin, je veux dire, pour un quart d'heure ou 20 minutes. Il s'agirait de jouer le rôle de ma femme, si vous préférez. Je vais vous expliquer. Ah, s'il vous plaît. J'ai décidé de me marier. Et la jeune fille que je vais épouser me croit déjà mariée. Comment cela? Oui, c'est moi au début qui l'ai prétendue. Je sais, cela peut vous paraître peu élégant, mais je n'étais pas très sûr de mes sentiments, ni des siens, d'ailleurs. Maintenant, vous l'êtes. Oh, mais ça, absolument. Alors, avouez-lui la vérité, docteur, elle comprendra certainement. Mais j'ai essayé. Mais les mots s'étranglaient dans ma gorge. Antonia est si entière, si absolue. Avant de me connaître, elle avait vécu une aventure malheureuse avec un petit jeune. Oh, sans scrupule. Je suis le premier homme qui ne lui ait pas menti. Enfin. À part ce petit mensonge de rien du tout. Mais comprenez-moi, mademoiselle Vigneault, j'ai le devoir de ménager sa susceptibilité. Plus tard, quand nous serons mariés, je lui révélerai ma supercherie. Qu'attendez-vous de moi, au juste? Mais que vous alliez trouver Antonia pour lui dire que vous êtes d'accord pour le divorce. Que vous le souhaitez, même. Elle se tourmente à l'idée de m'arracher à vous. Enfin, je veux dire à ma femme. Vous voyez qu'elle a une petite âme, une jolie petite âme. Docteur, jouer une telle comédie n'est pas dans ma nature. Car moi aussi, j'aborde le mensonge. Oh, mais pas plus que moi, pas plus que moi. Mademoiselle Vigneault, vous tenez mon bonheur entre vos mains. Docteur, je trouve quand même extraordinaire de tenir subitement votre bonheur entre mes mains, quand depuis 5 ans, je n'ai fait que tenir vos instruments de chirurgie et votre livre de rendez-vous. Et puis cette manière de me pousser aux confidences, de faire vibrer la corde sensible pour mieux me disposer sans doute. Mademoiselle Vigneault. Oh, mais vous me prenez pour une idiote. Ce n'est pas très joli ce que vous avez fait là, docteur. Bon, puisque vous êtes décidé à interpréter mes élans, mais les plus sincères, de la manière la plus rabaissante, mais n'en parlons plus. Quoi? Il n'y a personne à qui vous pourriez demander de jouer ce rôle? Tenez, cette ravissante Eurasienne que vous ne quittiez pas l'hiver dernier, celle qui vous a démoli votre déesse, ce serait la moindre des choses qu'elle vous dépanne à son tour. Mais elle n'a pas du tout le physique de l'emploi. Ah, parce que moi, je ne sais vraiment pas comment je dois le prendre. Mais très bien, mademoiselle Vigneault, très bien. Il se trouve que je vous trouve digne de porter mon nom. Mais que c'est désagréable, que c'est désagréable, mon Dieu. Regardez-moi. Votre cœur est si volage. Si seulement j'étais sûre que vous l'aimiez vraiment. Mais quand vous la verrez, mais vous comprendrez. Mais je ne la verrai pas. Il n'est pas question que je la voie. Et désormais, docteur, je vous prierai de me tenir strictement en dehors de votre vie privée. Bonsoir, docteur. Bravo.